Gigolo. Il est beau, intelligent, charmant et... Oh, arrête, hein. Puis d'abord, on dirait pas vraiment un gigolo. Mais c'est peut-être pour ça qu'il est cher. Ouais, t'as raison. Mais il m'a dit que je pouvais refaire ma vie. Il m'a refait découvrir l'amour et la sensualité, ça fait longtemps que je les avais oubliés. Quand il m'a dit qu'il avait le coup de foudre pour moi... J'espère qu'il dit vrai. Sinon, c'est un bon acteur. Bonsoir. Bonsoir. Ça ? Je devais être accompagnée. Non, mais comme aussi. Élégant, joli. C'est bizarre, vous savez ça. Vous savez, on peut être seul quand on est accompagné. D'où venez-vous ? Américaine, je suis sûr que vous êtes américaine. Même si vous parlez très bien français. Monsieur Edouard. Non. Enfin, je suis française, mais j'ai vécu 15 ans. Ah bon? Moi aussi, enfin, c'était plus qu'un boulot. Ah bon? Mmh. Vous savez, aujourd'hui, je travaille à plus de frontières. Monsieur est une star. Bien sûr. Vous travaillez? J'écris. Je vais payer l'addition, je pense que j'ai fait une autre partie. Je suis pas encore divorcée. J'arrête. Tous les couples mariés ont des aventures à droite à gauche. Ah non. Mon mari lui est fidèle à sa maîtresse. C'est belle. The rose is a rose and was always a rose. But just a morning. Oui, il est romantique. C'est un gigolo romantique. Écoute, Francine. T'as un boulot super. Un mari célèbre et une grande maison à Manhattan. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux redécouvrir l'amour. Ça fait longtemps que j'ai oublié ce que c'était. Oh shit. Don't tell me you've fallen in love with him. Ok, tu veux le retrouver, mais... si tu cherches son adresse, tu sais très bien que ça sert à rien. Ça va pas durer, votre histoire. Je sais même pas son vrai nom. Je sais juste que le soir où il était avec moi, c'était le soir de Romain. Oh, et puis de toute façon, que je l'aime ou que je l'aime pas, ça revient au même, c'était son travail. Thank you.
Allô? Oui, c'est moi. Qui est-ce? Ouais, c'est Romain, là. Romain? En fait, je voulais te prévenir. Pour hier, je suis désolé, j'ai pas pu venir, j'ai eu un accident. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je dois y aller. Divorce. Quoi? C'est pas possible. Mais t'as drogué ou quoi?